monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte façon aquarelle avec mes tampons de la marque Art Impression. Alors aujourd'hui, je vais utiliser ce tampon là avec la petite cabane à oiseaux. Je vais utiliser le petit chien et ça sera des petites herbes ensuite. Des petites herbes comme ça, peut-être un petit peu comme ça aussi. Alors, je prends du papier mix média, c'est pas du papier aquarelle, hein, c'est du papier mix média que j'ai utilisé. Vous pouvez prendre du papier aquarelle, bien sûr. Moi, j'ai pris celui-ci parce que je ne vais pas mettre beaucoup d'eau. Parce que de toute façon, c'est pas un papier qui supporte beaucoup d'eau non plus. Hein. Et on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par le petit chien. Alors, mon petit chien, je vais le tamponner en marron. Alors, je prends toujours mon feutre sur le côté de la mine. Hein. Jamais comme ceci. Hein. Alors, mon petit chien, je vais le mettre par ici. Ensuite, je vais mettre ma cabane à oiseaux. Ma petite cabane à oiseaux que je vais mettre au-dessus là de lui. Et vu que le socle, en fait, sur le... sur le modèle, le socle, vous voyez le socle, je sais pas comment dire, hein. Elle n'est pas longue là, c'est pas long. Donc moi je vais le continuer après derrière mon petit chien, je vais vous montrer tout de suite. Alors là j'ai pris un violet foncé pour faire ça. Je vais essayer de faire ça dans des tons de Noël. Alors au niveau de l'inspiration, c'est tout simplement une vidéo qu'a faite Bonnie Crepes de la... Bonnie Crepes, c'est la créatrice de cette marque-là, Art Impression. Et elle a une chaîne YouTube, bien sûr. Et je m'inspire énormément de ce qu'elle fait, comme tout le monde, j'ai l'impression. Hein, pour essayer de reproduire un petit peu. Parce qu'au début, c'est pas toujours facile. Mais elle explique tellement bien que bah, c'est un plaisir de recommencer pour essayer de faire la même chose. Quoi. Donc, je m'inspire vraiment d'une de ses vidéos d'il y a quelques temps. Alors là, je vais tout simplement continuer voilà, continue ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre je vais peut-être commencer par mettre un petit peu d'eau. Alors, on prend toujours un petit essuie-tout, un petit linge, un petit quelque chose pour essuyer son pinceau. Alors, soit, non, ce que je vais faire, je vais utiliser mes couleurs sur ma palette. Alors, African Violet. Et puis, du marron pour le chien. Voilà. Alors, je vais déjà prendre un petit peu d'African Violet pour faire la cabane à oiseaux. Sachant que je vais les... on va donner un peu l'impression de qu'il y a de la neige, donc je vais laisser le haut et le bas blanc. Là pareil, quand on fait cette technique, en fait on ne remplit jamais les cases complètement. On laisse toujours un petit peu de blanc apparaître, c'est ce qui donne le relief, hein, c'est ce qui fait le relief. Là. Là, je vais faire comme elle, là, sur sa vidéo, elle avait laissé un petit peu de blanc pour faire passer une petite guirlande rouge de Noël. Là, je vous dis, je m'inspire vraiment de sa vidéo. Hein. Là, pour le coup, ça ne sort pas de mon imagination du tout. Hein. Voilà, je vais prendre mon stylo rouge tout de suite. Voilà. Hop. Comme si on avait passé une petite guirlande. Mon petit chien. Alors, mon petit chien, lui, j'ai envie de lui mettre, par contre, un bonnet de Noël et une écharpe.
Mais je vais peut-être pas le faire tout de suite. Je vais prendre un crayon papier quand même. Je vais voir si je peux. Un bonnet de Noël. Comment je vais lui mettre un bonnet de Noël. Voilà, petit bonnet de Noël, quelque chose comme ça. Ça sera peut-être dans les tons rouges, par contre. Ouais. Hop, je vais mettre un petit peu de rouge. Là. Je vais attendre que ça soit sec. Ouais, je vais attendre que ça soit sec. Et je viendrai enlever le crayon papier. Ensuite, je vais mettre des petits feuillages. Ah oui, celui-là est joli. Je vais regarder celui-là. Alors là, je vais prendre du vert. Mes feutres, ce sont des feutres Tombow. Hein. Alors. Est-ce que j'en ai un autre? J'en ai un autre. C'est sympa comme tout. Je vais en mettre un petit peu au-dessus. Allez, on va laisser comme ça. Voilà. Voilà, on va déjà mettre un petit peu de rouge. Sur le bonnet du Père Noël. Mon petit chien, il est en marron lui. Hein. Alors on va mettre un petit peu de marron. Les oreilles. Avec mon marron, je vais insister un petit peu sur le nez, les yeux, voilà, pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Je vais remettre du rouge sur mon petit Noël. Dans les feuillages, je vais mettre des petites fleurs rouges. Ça va être sympa.
Hop, je vais prendre des toutes petites fleurs rouges comme ça. Et on va mettre ça dans le feuillage. Ce que je peux peut-être mettre en petites fleurs, c'est pas des petites fleurs, ça fait, c'est des tout petits points, ça. C'est super mignon, je trouve. Un petit peu plus de feuillage. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre des petites herbes en bas vers mon petit chien. Je vais les mettre en violet profond aussi parce que c'est quoi ça? Je décharge une fois l'encre hein, sur un bout de papier à côté que j'ai. C'est mignon. Alors ensuite, ah, une écharpe. J'ai envie de faire une écharpe verte à mon petit chien. Une écharpe. Juste mettre un petit peu de vert sur ma palette, piocher dedans. La petite écharpe de mon chien. Je vais faire. Alors, je vais utiliser du drawing gum. C'est une gomme de masquage, en fait, ce qui permet de, quand on l'applique sur un motif, on protège ce motif. Et une fois que c'est sec, on le gratte avec les doigts et ça permet de laisser la place qui est dessous blanche. Oups là, c'est quoi ça? Non, trop petit ce côté-là. On va prendre un autre côté, celui-là. Donc moi je prends un outil comme ça, puis je vais faire des flocons. Si vous voulez refaire, vous n'avez pas ça, les flocons vous les faites tout simplement avec un Posca blanc, hein, un crayon blanc, un crayon gel blanc sur votre ciel, tout simplement. Alors là, il va falloir attendre que ça sèche avant de pouvoir mettre quelque chose par-dessus. Alors, je vais faire des petites boules comme ça. Boule de Noël. Ensuite,
le vert. J'aurais peut-être pu faire tomber une petite branche ou deux sur mon socle. Ça serait joli, une petite branche ou deux là. Je vais tourner moi. Voilà. Voilà. C'est plus sympa, je trouve. Hop. On a toujours envie d'en rajouter. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'eau là-dessus, sur un petit peu tout, mais pas beaucoup d'eau. Parce que j'ai quand même envie de garder la forme de mes branchages, là. Je tapote comme d'habitude. Voilà. Au niveau du sol, on va peut-être légèrement donner cette impression de que le soleil vient de derrière là, que ça projette un petit peu d'ombre. Sympa. Voilà. Alors j'attends que mon drawing gun sèche et on va faire un petit peu de ciel autour là. Alors pour le ciel, ce que je vais faire, je vais me servir de mon African Violet que j'ai là. Je vais peut-être rajouter un petit peu de ciel, un petit peu de bleu à côté, mélanger. Ouais. Voilà. Maintenant que mon drawing gum est sec, on va mettre un petit peu de ciel. Pareil, on donne l'impression, c'est toujours pareil. Hein. On fait pas quelque chose d'hyper. Oh merde, celui-là était pas sec, mince, pardon. C'était chromo. Celui-là était pas sec, zut. Voilà, on va laisser sécher tout ça aussi. Et ensuite, je frotterai le drawing gum avec le doigt pour enlever. Ce que j'ai envie de faire, le temps que ça sèche, je vais prendre mon Wink of Stella à paillettes, la brillance, et puis je vais en mettre un petit peu parce que ça brille et je veux que ma petite carte brille. Je vais en mettre un petit peu comme ça. J'en mettrai sur le. Je vais en mettre sur. Le chapeau de Noël. On y suit bien hein, quand on fait ça. On y suit bien après sa pointe. Est-ce qu'on voit un petit peu de brillance ou pas à la caméra? Un petit peu. Oui. Ah oui. Un petit peu. C'est mignon comme petite carte. Rien ne vous empêche ici, par exemple, de mettre un petit sentiment joyeux Noël, quelque chose comme ça, bonne année, enfin ce que vous voulez.
Est-ce que j'ai un petit sentiment joyeux Noël? Ça serait bien, le temps que ça sèche. Alors, j'ai trouvé un petit sentiment joyeux Noël et bonne année. Donc, moi, je vais prendre que le joyeux Noël. Donc, je vais prendre mon tampon. Hop. Par contre, je vais ancrer que... c'est qui l'a joyeux Noël, c'est celui-là. Voilà. Je vais prendre mon encre. Alors j'ai pris une petite encre Memento Nautical Blue. Je pense que ça ira pour mettre dans le coin là. Alors, joyeux Noël. Joyeux Noël. Ça n'a pas l'air mal. Je vais juste prendre tapis de souris, mettre là. Hop, et puis je vais mettre mon petit joyeux Noël ici, au milieu là. Allez. Eh ben, c'est mignon. Regardez. Voilà, c'est mignon. Alors maintenant, je vais regarder si mon drawing on... Bon, lui, il est sec, c'est mon ciel s'il est sec. Hop, on enlève ça. Voilà. Hop. C'est vraiment bien ce drawing gum. Hein. Drawing gum, il est de PBO. Alors celui-là, il est bleu. Je ne sais pas s'il en existe des incolores, mais le fait qu'il soit bleu, c'est vraiment très bien parce qu'on voit exactement où on le passe. Hein. Et il s'enlève super facilement en plus. Alors, je vais mettre un petit peu de Wink of Stella sur mon ciel. Ça va être sympa. Hop. Voilà. Et ben voilà, j'ai envie de dire que j'ai terminé ma petite carte. J'ai terminé ma petite carte avec mon petit chien. C'est mignon. Je trouve ça sympa. C'est original. Je sais pas si vous voyez la caméra, le Wink of Stella. Je sais pas, j'adore ce truc, le Wink of Stella. J'en mets de partout. Enfin, de partout. Façon de parler. Hein. Mais voilà. Bon, bah écoutez. J'en ai fini pour cette petite carte. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éventuellement inspiré pour faire de même de votre côté. Moi, comme je vous l'ai dit, je me suis largement, très très largement inspirée de la vidéo de Bonnie Crepes. Je vous mettrai le lien de la chaîne hein, de Art Impression dans la barre de description. Et puis, ben voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. J'essaye de vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, eh ben, prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Bye bye.